Après avoir révélé être atteinte d'un cancer de l'endomètre, dont elle a été opérée il y a quelques semaines, Julie Pietri revient sur la façon dont elle a vécu l'annonce de sa maladie. 2 mois d'enfer. Fin février dernier, Julie Pietri faisait une triste annonce à ses fans. Dans une vidéo postée sur Instagram, la chanteuse de 67 ans avait effectivement révélé être atteinte d'un cancer de l'endomètre, une muqueuse de l'utérus. Un mal dont elle allait être opérée courant mars. Quelques semaines plus tard, l'interprète d'Eve Lève-toi se confie sur ce qu'elle a traversé dans les colonnes du magazine Gala. Elle explique notamment avoir découvert qu'elle était malade car elle souffrait de saignements depuis plus d'un an et demi, ce n'était pas normal. J'ai fait une hystéroscopie, un examen de l'utérus sous anesthésie générale. 8 jours plus tard, le chirurgien m'a livré le résultat des analyses. Mon monde s'écroulait. Julie Pietri, qui assure qu'elle s'attendait un peu à ce diagnostic, a donc dû subir une ablation de l'utérus, pour éviter tout risque de métastase. Mais le jour de l'intervention, les choses ne se sont pas passées comme prévu. À mon réveil, je n'avais pas mal comme après une opération. Le chirurgien m'a rejointe dans ma chambre et expliqué qu'il n'avait pas procédé à l'ablation parce qu'il suspectait une extension du cancer au péritoine. Il m'a pris la main avec beaucoup d'humanité et parlé d'une chimiothérapie de 6 mois. Je me voyais déjà sans cheveux, avec ma vie à l'arrêt. Mon monde s'écroulait, confie-t-elle avec une grande émotion. Fort heureusement, l'hypothèse du spécialiste s'est révélée erronée et une nouvelle date a été programmée pour que l'artiste subisse l'hystérectomie prévue initialement. Je me suis écroulé. Si Julie Pietri assure avoir pété au champagne lorsque le docteur lui a annoncé « Vous n'avez pas de cancer du péritoine », elle n'était pas moins éprouvée émotionnellement, la veille de l'hystérectomie, reprogrammée le 7 mars, pour la première fois, je me suis écroulé. J'ai pleuré toute la journée, tout ce que je n'avais pas pleuré pendant 2 mois. 3 anesthésies générales, des annonces dans tous les sens. J'avais l'impression d'être un punching ball émotionnel. Assure-t-elle. La chanteuse tient aujourd'hui à rassurer sur sa santé, mes dernières analyses montrent qu'il n'y a plus rien. Mais, par sécurité, on va faire 6 jours de radiothérapie en avril, explique celle qui annonce aussi fièrement, le chirurgien l'a assuré, je pourrai remonter sur scène en juin. À lire aussi Je vous dois la vérité, Julie Pietri révèle être atteinte d'un cancer, et annonce une opération dans les prochains jours.